écoute, Stéphanix, comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petite webcam qui est installée, c'est assez sympa. Aujourd'hui, je vous présente un gameplay sur Battlefield 3 PC. Ne quittez pas tout de suite si ça ne vous plaît pas, si vous avez l'impression que ça ne va pas vous plaire, parce que tout ce que je vais dire est très important. Honnêtement, le gameplay, il est franchement très nerveux. Parce que j'ai fait exprès justement de prendre un gameplay en match à mort. J'ai fait un peu un live hier soir et j'ai fait quelques gameplays de match à mort. J'ai réussi à rec celui-là, mais heureusement comme un con, j'ai laissé le son de ma voix, parce qu'avec Shadowplay ça peut rec le son de votre voix. J'ai oublié de désactiver le microphone, je remarque pas assez, enfin voilà. C'est bête, mais voilà, c'est pas très grave. On va faire avec. Je me retrouve ici avec un gameplay qui est sur PC, comme je vous l'ai dit. Alors, peut-être que certains qui m'ont suivi sur Twitter peuvent savoir que j'ai reçu un PC tout simplement. Je me suis pris un bon PC pour faire un peu du stream, pour pouvoir faire des vidéos et puis pour pouvoir jouer comme un petit, un petit gâté. Franchement, je suis super content de ce PC. Si vous voulez des specs, je vous les ferai peut-être dans une vidéo spéciale setup. Parce que j'ai même un nouvel écran et tout. Ça me fait deux écrans, enfin voilà quoi, c'est déjà un truc assez sympa. J'ai un vrai setup de gamer quoi, tout simplement, qui maintenant fait plaisir et je me sens un peu accompli. La petite action, hop, non, je fais un petit kill, je me cache. Tout ça pour vous montrer un petit peu que c'est nerveux. Là, je fais un autre kill, sauf que je ne l'aurai pas. Il lui reste 26% de santé, malheureusement. Et puis, je suis en train de le traiter d'enculé dans dans le microphone. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est surtout, voilà, ces derniers temps, j'ai pas été très présente, simplement parce que j'avais mes examens. J'avais mes examens, j'ai eu du temps aussi à faire pour m'occuper justement de mon PC, de mettre des programmes vidéo pour faire des rendus, faire des tests de rendus, trouver d'autres programmes. Finalement, je suis repassé sur Vegas 12 parce que de première pro, j'étais trop lent avec. Je gère pas le logiciel, je peux pas faire tous les trucs que j'aime bien faire. Qui peuvent être vraiment stylés. Du coup, me voici, me voilà avec ce petit gameplay qui devrait être de très bonne qualité. Malheureusement, vous avez peut-être entendu parler du YouTube qui sera en 60 fps. Ma vidéo, je le ferai en 60 fps, sortir en 60 fps. Je sais pas si au moment que YouTube aura sorti le 60 fps pour tout le monde, et bah si ça sera en 60 fps, mais je ne pense pas. Mais bon, vous profiterez quand même d'une très bonne qualité, je pense, et ça va pas changer grand chose avec le 60 fps, ça va rendre quand même un petit peu plus joli, mais sans plus. Léger. Voilà, j'aurais pris en tout cas les paramètres optimaux. C'est aussi de la 1080p, donc n'hésitez pas à mettre en 1080p, quoi, ça 1080. Ça donne vraiment très joli. Et vous pouvez profiter un peu comme ça des graphismes de Battlefield 3 sur un PC en ultra. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon PC qui rame ou si le gameplay ramait là à ce moment-là. Je pensais plutôt le gameplay qui ramait. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous parler, c'est aussi. J'ai fait mes examens et j'ai eu ma maturité, mon bac, comme vous l'appelez chez vous en France. J'ai eu mon bac. Tout est bon. Là, malheureusement, j'aimerais me remettre à mon rythme de vidéo. Malheureusement, je vais partir. 5 jours en bas à Berlin, ça c'est pas trop grave parce que je pourrais vous faire quand même quelques vidéos. Puis je vais partir plus tard encore en Amérique. Enfin bon, je vais essayer de quand même garder un rythme correct pendant ce temps-là. Faire des vidéos en avance. Je pense que vous devrez pas trop remarquer mon absence à ce niveau-là. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? C'était tout simplement à propos de Titanfall. Alors là, vous voyez pas un gameplay Titanfall, tout simplement, parce que je n'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai changé de PC, j'ai pas pris tous mes, j'ai pas encore fait le transfert de données de mon autre ordi à celui-là. Du coup, j'ai pas tous les gameplays de Titanfall. En plus, je me suis dit que je voulais changer, faire un truc un peu plus nerveux, qui bougeait, qui vous parle plus, je sais pas. Ce qui est sûr aussi, c'est que je voulais parler d'activité de la compétition sur Titanfall. Alors effectivement. Aujourd'hui, Titanfall, il déçoit, il a déçu beaucoup de gens en ligne.
En tout cas, c'est un jeu un peu trop casu, où les titans font trop leur boulot, je sais pas, mais c'est. C'est marrant à jouer un titan comparé à d'autres killstreaks, mais il y en a trop et c'est chiant. Et l'équilibre entre pilote et titan, d'accord, ça va, mais quand t'as des gars qui jouent chain gun, l'équilibre il est mort. Il est mort tout simplement parce que le chain gun est vraiment trop abusé pour les pilotes. Du coup, les pilotes peuvent rien faire. Si t'as un joueur qui veut pas jouer au killstreak, t'es obligé de monter sur un titan, sauf qu'il y a son petit coéquipier, voilà. Et en plus, le truc, c'est que les joueurs sont dans les titans, donc vous faites tout simplement chier, parce que vous pouvez pas faire du gameplay comme un peu à Battlefield, là, ou je sais pas, à Code. Vous pouvez pas vous faire un vrai gameplay contre des vraies personnes, quoi. C'est vraiment contre des espèces de robots, et je trouve ça vraiment dommage. Du coup, à ce niveau-là, je suis un peu déçu. Mais sinon, je pense que au niveau compétition, ça aurait pu donner quelque chose, comme il n'y a pas beaucoup de titans. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de choses qui manquent, comme par exemple le mode spec. Pour moi, le réel défaut en fait de la compétition Titanfall, c'est pas tout son gameplay, etc. Ça, je pense qu'il est bien. Voilà, peut-être un mode de plus qui créerait, ça serait top. Et le mode MVP qui a été sorti récemment, je pense que ça pourrait être pas trop mal la compétition à voir, j'ai pas essayé malheureusement, mais franchement il y a quelque chose à faire avec cette compétition Titanfall, elle a un moyen. Faut pas oublier que quoi, ça fait quoi, 4 mois qu'elle existe, la médiatisation qu'elle manque, c'est quelque chose qu'on pourrait attendre et tout, mais ils nous aident pas parce qu'ils donnent pas de mode spec. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire de stream, on peut pas faire de stream de match. Ce qui est super intéressant avec un commentateur et tout, ça serait top. Non, on peut pas le faire parce qu'ils veulent pas mettre de mode spectateur, ils sont un peu glandus sur le coup, même si le jeu est récent, etc. quand même. Moi, ce que j'aime pas dans ce jeu Titanfall, c'est qu'ils ont pris le jeu pour une bêta, et nous ont pris tous pour des bêta-testeurs, et je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que le jeu a un énorme potentiel, mais ils ont décidé de sortir un truc pas fini, et voilà. Là, le gars me sauve, je le tue l'autre avec le flingue et je sauve mon ami. Beau petit travail d'équipe. Franchement, c'est un peu du foutage de gueule de la part de Respawn à ce niveau-là. J'en attendais énormément d'eux. Ils ont sorti un bon jeu, mais qui manque énormément de choses, qui est vide. Qui est vide, vraiment, c'est ça. Ils veulent faire les choses. Trop vite, je sais pas. Ils auraient pas dû genre sortir le jeu et puis se dire hop, on fera au fur et à mesure, on va rajouter les choses quand il le faudra, etc. On va rajouter des modes et tout. Non, ils ont voulu faire ça, mais je pense pas que ce soit une bonne chose. Ils auraient dû vraiment se concentrer sur faire un bon jeu, prendre plus de temps, quitte à prendre un an de plus. Bon, moi, je sais pas si j'aurais tenu jusque-là, mais c'est vrai qu'avec le Ghost à chier et tout, là, il y avait moyen parce qu'il y avait un Battlefield 4 qui décevait énormément et un Call of Duty Ghost qui décevait énormément. Il y avait tellement moyen pour eux de faire un truc énorme. Et ils avaient la place, ils avaient le champ libre. Ils sortent leur jeu et ils gâchent tout parce qu'ils veulent faire au fur et à mesure sortir les mods et voilà, qu'on se retrouve avec un jeu un peu casu. Et. Qui manque cruellement de choses, qui est vide. Comme je l'ai dit, moi c'est un jeu qui me plaît quand même, et voilà quoi, tout son fond, toute sa base, je l'adore, mais voilà, il manque trop de choses, il manque des armes, il manque pas des maps, il manque des mods, il manque un peu plus de compétition que de la casualité comme il y en a là avec les titans à la con. Enfin bon, Titanfall vous allez me dire, mais bon, quand même. Quand je vais en ligne, moi je fais 2-3 parties, j'en ai marre quoi. Donc heureusement qu'il y a compétition, mais on joue toujours les mêmes équipes. Alors justement, avec la Team Covenant, on a décidé de changer un peu. On va. Alors je dis changer un peu. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire une pause jusqu'à ce que Titanfall eSport gagne un peu en médiatisation. Parce que je jouais les mêmes équipes encore et encore et encore et encore. Gagner toujours les tournois et tout, bon, on a puff. Enfin, je crois qu'on a dû drop 3 maps en tout depuis dans tous les tournois. Et 2 fois c'était dans un tournoi où c'était un BO1 ESL qui était mal foutu. Et les équipes en face
Elle jouait bien, il n'y a pas à dire, c'était des socs. Mais surtout qu'elles avaient préparé en fait à fond cette map. Alors que nous, on n'a fait tout simplement pas le temps. Moi, j'avais mes examens, etc. Enfin, chacun avait ses examens à des moments différents. Voilà quoi, c'est. Jouer les mêmes équipes sans drop de map et tout. Finalement, la compétition, s'il n'y a pas de compétition et a pas de rivalité, ouais, c'est un peu saoulant à la longue. Et du coup moi, je me suis pris mon PC. Comme il y avait un petit rabais et tout, je me suis dit, j'en profite. Et bah maintenant, je serais pas mal tenté. J'ai pas envie de laisser tomber complètement Titanfall. J'ai un projet pour Titanfall Esports qui pourrait être la dernière chance, à mon avis, pour que ça remarche sans me faire genre le mec, hop, tout repose sur moi. Mais franchement, je pense que c'est la dernière chose qui peut faire que Titanfall marche. En tout cas, Esports. Et pour ça, en fait, c'est surtout en fait montrer aux joueurs code que la compétition sur. Enfin, les joueurs code. Les joueurs compétitifs en général. Mais surtout les joueurs code, parce que c'est une très grosse communauté derrière. Enfin, bref. Que Titanfall est un potentiel énorme, mais il est plus nerveux que code, il bouge plus et tout, il y a plus de stratégie un peu, je trouve en tout cas. Enfin, quand on applique bien les stratégies, je trouve ça mieux foutu. Mais reste que il manque du monde, et c'est ça qui nous coûte cher. Et eux, ils croient que c'est du en ligne, en fait, c'est des titans qui se tirent dessus, qu'il n'y a pas de skill et tout. Alors, du coup, forcément, je comprends. Si tu penses que la compétition Titanfall, c'est des titans, bah oui, moi, ça me ferait chier. Je sais qu'il y a eu tout un débat à propos des titans, et certains qui sont sûrs que Titanfall, c'est la base, ça veut dire la base, les titans. Alors, faut jouer avec les titans, alors que non, pas du tout. Je ne sais pas, Battlefield par exemple, la compétition Battlefield, la base c'est d'avoir des véhicules, des avions, des choses comme ça et tout. Et non, sur Battlefield, il n'y a pas de ça, hein, c'est du combat homme vs homme, il n'y a pas de machine. Donc moi franchement, je trouve que ça c'est un argument un peu bête. Donc si je peux faire relancer la compétition Titanfall, j'en serais très content, j'y retournerai peut-être. J'espère, parce que voilà, quand il y a une bonne commune, les gens sont sympas. Ils se gueulent un peu trop souvent dessus, mais on va pas parler de ça. Mais franchement, le PC là, c'est un gameplay. Je sais pas si vous verrez mon grade, mais j'ai vraiment pas joué beaucoup. J'ai joué aussi à CSGO, je vous montrerai quelques gameplays. Je vais vous poster quelques clips juste pour le fun. Honnêtement, j'ai commencé très récemment et sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit, je trouve que j'ai déjà un niveau. Enfin, j'ai repris un peu du poil de la bête parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais sur Code 4 PC. Alors, forcément, quand on a joué à Code 4 PC, on est habitué à des bonnes choses. Et donc voilà, j'avais joué Battlefield 1942 sur PC, 2142, Code 4, puis je suis parti sur console. Bref, le gameplay est terminé, donc moi je vous dis simplement qu'on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ma petite parole vous aura plu. Puis je vous dis tout simplement à la prochaine. Écoutez-vous bien jusque-là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour suivre mes lives. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.